et nous pouvons dire que nous là. Parce que nous micro wireless dans le même, un micro sans fil. Donc si nous entendons des nous dire si nous entendons des salut nous. Bonjour, bonsoir. Et quel que soit que vous soyez, nous saluons. Encore une autre fois, rendez-vous. Nous pas raté. Est-ce que les gens qui montent là attendent, voient ça, qui parlent là? Je vais dire si oui, nous entendons voir. Dis-moi si vous entendez voir. Pour me continuer, je vais parler dans le vide. Et en fait, nous sommes là, ici, à Washington, pour le congrès là. Donc, on va dire si vous entendez moi. Hein? Dis-moi si vous entendez moi. Dis-moi, est-ce que vous entendez voir? Bon, je dis ok. Donc, je vais dire bon, je dis ok. Donc, voilà, bon. Ok, on allez. Ah ben, Jean-Aubert Philippe m'a salué nous depuis la capitale fédérale américaine à Washington DC, Grand Prix qui s'est dominé l'actualité. Et pratiquement, dossier Libye, quand c'est les gens qui disparaissent après l'inondation qui fait le pays là. Donc, le chiffre a commencé à augmenter toujours avec les gens qui mourent. Pour faire tant de thèmes à work là qui fait le pays là depuis vendredi passé. Et bon, aide a commencé à priver. Et des pays qui sont toujours en attente et qui ont été proposés pour être assistés, pour être assistés dans le bail. Mais jusqu'à présent, il a semblé que le gouvernement marocain pour qu'on bail une réponse définitive sur ce dossier-là. Ici, aux États-Unis, il y a l'autre dossier qui est là, mais les républicains, dans la Chambre des députés, surtout c'est le président de la Chambre des députés, même Kevin McCarthy, qui fait annonce que les demandes pour qu'après enquête, il mène 9 mois, bien entendu, il a mené la sous-président Joe Biden, comme quoi. Le président Biden a une connaissance sur l'activité à faire petite ligue et Hunter Biden a fait à l'étranger. Il a bénéficié de ça, il a pour un tour, l'activité familiale a fait. Eh bien, bon. Et République dit a continué au mandat pour fond enquête pour nous avec l'autre objectif, son enquête pour mettre en accusation. La possibilité pour l'arrêter ce pouvoir. Ça veut dire que chaque député a mené l'enquête là, il a voté, si il a voté sur l'article. Article pour inculper le président, pour accuser le président, et s'il passait, en commençant à ouvrir le dossier devant le Sénat, qui lui-même va voter pour réjouir en route pour un tribunal de justice éventuellement pour juger le président. De toute façon, et d'après Expert, il dit que bon, l'enquête ça vient dans un mauvais moment. Dans un moment républicain même qui dit ça, il dit dans un mauvais moment, dans un moment il a parlé là, il a entré. Pour préparer à l'élection 2024. Et il y a un autre expert qui dit que c'est très difficile pour une enquête comme ça réussir, étant donné que les démocrates, en fait, les républicains ont une majorité, tout mais sans chambre députée, soit en total 5 sièges en plus de démocrates. Donc, ça peut faire d'abord, c'est que chacun est serré entre eux-mêmes. Pour que vous n'ayez pas de démarcation entre les membres, c'est-à-dire pas de républicains qui t'a démarqué pour quitter le rang. Donc il faut que tout républicain ait arrêté voter entre républicains et puis démocrates voter entre démocrates. Donc pour un projet comme ça d'avancer, donc c'est très difficile pour une initiative pareille, arriver passer dans la Chambre des députés pour aller et dans la Chambre du Sénat. Et s'il vient dans le Sénat, et côté démocrate sur contrôlé, donc il était difficile encore pour l'État réussir vraiment pour arriver et mettre le président en accusation et même jusqu'à ce que l'État même retire le pouvoir. Donc c'est comme ça, pratiquement la situation est. Donc et sur le même dossier là, et puis le dossier ça annonce que ça arrive tout dans le moment côté et bon l'autre confrontation qui apparaît tout qui sur le tableau là. Si côté congrès a parlé en confrontation avec la Maison Blanche, soit fait financement et gouvernement fédéral. Parce que l'argent qui est disponible pour l'employé fédéral, tant que nous-mêmes, eh bien, bon, l'argent a petit, pas bien l'argent encore après le 30 septembre pour payer l'employé fédéral. Donc, on entend qu'il doit le faire, mais si vous voulez passer en résolution. Et provisoire en attendant que les jeunes ont entente, mais il y a des difficultés sur ça. Donc c'est là que le problème est posé. Et si tu as gagné au côté que le gouvernement américain, le gouvernement fédéral l'a fermé à cause de l'argent pour payer l'employé ou le gouvernement fédéral a continué à fonctionner, et bon, tout simplement, il va être difficile tout pour une enquête menée pour
inculpé ou bien encore pour accuser le président, ça les mises en accusation du président Joe Biden et parce que le gouvernement n'a pas fonctionné. Donc c'est un dossier qui est vraiment un petit peu compliqué. Margui pour parler de ça avec nous dans le journal radio sur télévision. Et puis nous avons l'autre dossier qui n'a pas eu de Maroc, n'a pas eu chose de visite par exemple. Et leader Corée du Nord qui m'ont fait en Chine, fait en Russie, qui est rencontré avec le président Vladimir Poutine et il a semblé des promesses qu'il fait, donc peut-être que promettre que pour l'État pour l'aider. Et il a supporté le président Poutine dans 6 ou 4 et pays, l'autre pays, le pays occidental, il a attaqué les Sénégalais. Voilà, mais sans le pas, on bail que le pays occidental ouais de bon oeil. Par exemple, la France a déjà déclaré que ça a monté à qui pour que et là aussi, ils ont mis sur cette internationale-là. Donc, mais il y a des gens qui ont été dit que le visage est positif pour en faire des armes, etc. Je sais que Philippe, jusqu'à présent, n'est pas clair. Il y a une émission spéciale sur Philippe avec l'avocat américain Con Canan, qui lui-même t'a expliqué les possibilités ou les scénarios qui ont arrivé dans le cas de Philippe. Et nous connaissons que l'autorité américaine, la justice libérée, mais qu'il y a une main. ICE, qui c'est l'agence d'immigration américaine, qui normalement en charge pour processus si il y a déporté le pour déporter lui ou pas, nous ne connaissons pas. Mais quand même, l'avocat Con Canan a expliqué le scénario. Donc, si monsieur fait 6 mois, quand il doit apparaître devant un juge pour le juge là, il fait 6 mois là, il ne peut pas faire rien, il ne peut pas le juge là, il doit demander pour libérer le citoyen. Ça, c'est si au cas que l'autorité haïtienne ne peut pas faire des documents, bien ça, il est. Et on document voyage qui t'a permis que Philippe en Haïti. Ou bien l'autre scénario que Con Canan t'a expliqué, c'est que il est capable que mes monsieur en prison en attendant que il y a assez de monde, que les États-Unis y a assez de monde et pour déporter en Haïti et les SAM a fait partie un cargo, un avion qui peut aller en Haïti et qui peut aller poser tout le monde donc Philippe là-dedans. On s'est posé la question tout pour nous demander est-ce que si par exemple que Haïti t'a refusé et accepter pour qu'il puisse retourner dans le pays. Bon, il dit que c'est des choses possibles, mais les États-Unis ont bien les résultats, ont un moyen de faire pression sur le gouvernement haïtien pour l'autorité haïtienne accepter qu'il puisse. Donc, autant de dossiers, mais jusqu'à présent, il n'y a pas aucune claire, est-ce qu'il peut parler en Haïti ou pas. Mais l'avocat qui peut faire la voix, il connaît qu'il a déjà fait demande d'un document de voyage pour qu'il puisse, même avant la libération, il était déjà déposer tout bail, toute demande de terrain peut être faite et même l'ambassade d'Haïti à Washington, mais il semble que l'ambassade a dit eux-mêmes, n'a connaissance pas lui, il va reconnaître que tu sois un document pour ça, mais il n'est pas nié tout que le document est capable vraiment uni, mais lui-même nous dit que pas en tout cas. Maintenant, autant d'Haïti n'a pas mis mes mots, il n'y a pas de rien, sous dossier cela pour le dossier. Dossier haïtien-dominicain, on finit toujours là. L'ambassade américaine en centre de l'Ambassade, mais il a appris les Américains et les milliers qui sont en Haïti. Pendant que le bonheur, si il a passé par ce domaine, peut être Haïti peut acquitter Haïti plus vite pour aussi parce que le gouvernement dominicain et en la personne du président Luis Abinader les menacé et les fixons délai et qui se joue du 14 septembre non, pour que les fermer frontières, que ce soit par voie aérienne, mer, maritime ou bien terrestre, la fermer tout par sa honnête avec Haïti si les autorités haïtiennes ne pas camper sous prise barrage que a fait sous rivière Massacre là qui est dans le département nord-est alors que un responsable administration et gouvernement et premier ministre qui est allé et dans zone non et bien il était rencontré avec élu local pour te parler de barrage mais c'est une initiative qui parle pour avec le gouvernement mais c'est une initiative purement et citoyens dans la zone qui étaient prêts à être campés après l'assassinat du président Jovenel Moïse.
mais c'est un an qui passe, il se passe 2 ans là, et non, c'est chest, donc je pensais que pour une brèche dans la rivière là, pour oser, et jardin, j'étais près de 3000 hectares, et oser, ça n'a capable de mais Dominique a dit non, et campé sur ça, parce que ça n'a pas un problème environnemental. Il y a des techniciens qui parlent dans la presse en Haïti, qui parlent de problèmes et techniques qui posaient, peut-être que si pas une assistance en charge ou bien encore le gouvernement pas de cap faire, il y a des possibilités pour qu'il y ait des problèmes en construction qui apparaissent dans ces normes. Donc des problèmes que ça dépend de monde qui dit, il y a des gens qui dit que Dominique va baiser faire pression parce que eux-mêmes ils ont déjà pris 11 prises. Non, il y a un massacre là, donc c'est préparé ici, tu pas de contentative de tout ça. Et par exemple, tu as passé à un peu fort quand le pays qui dit que la distribution a de faire de façon égale, égaux, c'est-à-dire que chaque pays a de mesure pour la même quantité, et ouvert même quantité de brèche dans la rivière là, pour oser la caillou, alors que le milieu est en train 11 selon ça qui dit, alors que Haïtien, c'est ta première fois pour le faire, jusqu'à présent, il y a un problème pour ça. En tout cas, l'autorité, c'est ton. On fact-finding mission que le responsable dans le cabinet premier ministre qui est allé, il dit même c'était donné le talent recueilli pour le faire vivre un rapport par le gouvernement. Sur question si là, mais il était rencontré, qu'il était montré, il était en contact avec mon cap fait construction barrage là, il était dit au danger que ça a une façon à faire là, si on une inondation, si on tempête, si on intempérie, on veut un ouragan, il y a un peu de dégâts qui fait. Vu que il est probable que le barrage a fait pas respecter les normes, etc. Mais c'est une initiative que, bien sûr, que le président Jovenel Moïse a pris dans ce sens-là, a commencé, et bien, il a l'élmo en 2021, le dossier a été coupé, malgré que l'élmo est là, et le gouvernement dominicain a déjà dit qu'il n'y a pas d'accord, etc. Donc, c'est un dossier qui a été loué. Mais le gouvernement dominicain ferme, et il est menacé pour faire un conseil, déjà, il a fermé. Donc, on partit en frontière, c'est une zone d'Arabon, qui est dans le nord, alors dans le nord-est, avec Wanamet, donc il ferme partie ça, et il menace pour fermer ça, si l'autorité haïtienne. On attend que c'est le moment pour que l'autorité haïtienne campe et parler avec les Dominicains, d'homme à homme, et une commission qui est là pour ça, c'est Baïk, qui a résolu son table, qui sont pas de négociation, au lieu que ça avec ZAM, mais Dominicains déployé. Et soldats, et nos zones frontières, nos zones ça même, et il a semblé d'après une nouvelle lieu que la police haïtienne pour pas déployer un groupe de soldats qui est beaucoup d'haïtiens. Mais tout le monde a babillé parce qu'il dit que ben là, la poursuite, c'est parce qu'il doit venir la poursuite, alors que c'est dans la partie haïtienne, c'est pour ça qu'il y a un peu parlé avec ça. C'est un dossier qui est vraiment sensible et qui est ouvert en attendant la 14 arrivée pour qui ça qui va aller passer, mais en attendant, Dominicain a demandé aux citoyens dominicains pour ne pas aller en Haïti pour Cognac. Et vu que la situation climat et sécurité en Haïti, donc il a demandé pour Dominicain ne pas aller. En attendant, visa, et Haïti n'est pas capable de chercher, pourquoi il n'est pas capable de prendre visa pour y aller visiter la République dominicaine, parce que pour l'annonce que l'autorité dominicaine fait, il dit que le campé soit fait, division visa par Haïti. Et on dit bon. Et il n'y a pas de léger Haïti, étant donné que Dominicains puissent bénéficier de présence haïtienne, surtout dans le marché binational. C'est Haïtien qui sont tous les vins acheter. Alors que si on va inventer que Haïti n'est pas qu'à l'acheter, donc c'est le commerçant dominicain qui va en perdre. Donc très certainement, il n'y a pas de cette pression-là. Si ça arrive, et c'est la première fois que les frontières fermées, et il va y avoir tout le conflit, marché binational affecté avec le conflit qui a bien entre autorités. De pays, mais il y a des gens qui disent que c'est pas qui a besoin de sous table négociation et pas de raison pour tout parler de ça. Et puis ça nous vient d'adou encore et oui, mais c'est ça. Et puis non, en continuant de sport, Haïti, pas dit Haïti qu'il y a aucun problème, non, mais Haïti sont mauvais pente dans la Ligue des Nations pour la. Après le match que j'ai fait avec Jamaïque hier soir, le match a été déroulé dans tout le monde et Haïti a tapé 2 à 0 pendant une minute dans le match. Dans la deuxième mi-temps, les Jamaïcains ont repris le contrôle du match, ils ont marqué, ils ont attaqué, ils ont attaqué jusqu'à ce que AD, défenseur, le défenseur et ses chansons, ont été un goal.
Donc Haïti 2-1 et monsieur continue et attaquer encore et bien Ricardo Adé encore on pénalité au ballon sauté ballon pas bien dans Ricardo Adé encore et bien et deuxièmement match a égalisé 2-2 et c'est comme ça match a fini malgré prolongation arrêt de jeu qui fait pendant 5 minutes Haïti sorti avec Jamaïque a son match 2-2 dans Haïti malgré Haïti mené 2-0 ou en compte que probablement que Haïti a quelque chose pour le faire. Il y a grand pile opportunité des deux côtés, mais Haïti a une opportunité tout pour augmenter le score là. Mais malheureusement, ça va faire. Bon. En tout cas, et Jamaïque sorti avec un nouvel point qui aide l'été encore dans le tête classement avec 4 points. En plus de nous avons Cuba, parce que Cuba a remporté la victoire, tout parce que Cuba a perdu. Tu fais match déjà avec Haïti dans Santo Domingo. Et bien, Cuba a pris 4 points. Donc, le partage est pris place avec Jamaïque. Et puis, il y a Honduras qui a remporté la victoire, parce que Honduras a perdu. Dans match d'ouverture face à Jamaïque, et bien, Honduras a gagné place 3e avec 3 points. Et puis, Haïti a gagné 2 points. Et puis, il y a 2 autres qui sont nettes. Ils ont même chaque gagné 1 point, 1 point. Mais nous rappelons dans le groupe ça, c'est 2 équipes seulement qui ont passé dans la prochaine phase. Là. Haïti, le bio est prochain sorti, 12 octobre. 12 octobre, bien Haïti va rencontrer pour jouer avec Suriname. Et bien Haïti a l'autre match pour jouer avec Jamaïque encore. Match à pas jouer dans le centre de Domingo. Son match de visite et nous avons pris le terrain et nous avons lancé les représentants côté que Haïti va recevoir match. Donc en tout cas, elle n'est pas bon pour Haïti, non, si Jean Bala est là. Si c'est l'équipe à point. Et Haïti m'a été fait plus effort pour rester dans quelle mesure capable et remporter reste un peu plus gagné et puis après pour l'autre pays ou l'autre sélection t'a aidé pour au moins t'a fini parmi les deux premiers. Le Sénat suit pour vous toujours et puis t'es grand match entre Mexique, t'es grand match hier soir, mais c'est fait match fin avec l'autre équipe que t'as joué, match a fini 3-3. C'est un bel match tout. Un bel match mexicain au du bec et des ongles, mais finalement il a acheté un match nul. Donc, ça n'a pas encore plus tôt encore, mais je dis à nous là, dans mon cas là, et Jacques le président tout, et j'en tiens à travailler sur eux. Et Apple, je fais que sorti public, fait présenter par le public là, un nouveau téléphone, les iPhone 15. Même quand je suis là, si je fais une cotisation, je vais me faire un cadeau, même quand on a besoin de ça, et je sais que c'est ça, je vais me faire un cadeau. Après, il y a un souci, il y a un montant qui sort tout, et bel bail, mais je dis à Fernand, il y a un dernier prix. C'est ça que nous avons bien, c'est que Kounia, après que l'Union Européenne a pris une décision pour faire tout, chaque téléphone, besoin de chargeur particulier, mais l'Union Européenne a dit que non, ça va faire. C'est pour que le seul chargeur capable de servir dans le cadre de son téléphone. Donc, iPhone, donc, pratiquement, Apple a commencé avec et ça. Donc, un chargeur unique, cap, non seulement chargé iPhone, là, mais la chargé même le téléphone et tout, même et iPad, mais tout le device, c'est possible. Un seul au besoin, c'est ça, c'est qu'il y a une petite tête, c'est qui a servi. Donc, n'attendons pour moi. En attendant, je vois email par moi, je vois email par nos appels qui veut dire moi préparer là comment se construire les possibilités pour m'acheter téléphone ça. Moi j'ai un téléphone ça va prendre 5 ans et donc j'ai une là qui travaille bon pour ça que je voulais pour changer lui et mais la France tout demandé moi j'ai demandé pour que et actuellement pour iPhone retirer sur marché et iPhone 12 là. Je dis qu'il y a un problème, qu'il y a un seul problème de que par quelqu'un dit que je suis posé sur le marché à toujours. Mais pas maintenant, plus petit, toujours que 12 là, donc on aura la difficulté de l'église, la difficulté de mettre. En tout cas, ces technologies, on savait, il y a eu un bail à l'amont, même le bail à la casserie. Il y a eu un l'amont pour qu'on va chez nous voir, pour toujours avancer, donc toujours, pour que tu passes. Parce que, bon, même comme on dit, on m'a parlé surtout de nouveau, l'autre initiative, l'enquête que les républicains ont lancé là, il y a plus de critiques qui fait, ouais, mais on ne va pas content et critiquer les députés républicains pour l'initiative, ça a pu dire qu'il y a 9 mois de soutenir l'enquête sur le président Joe Biden, en n'est pas sorti, avec aucun résultat, il n'y a pas rien pour reprocher le président, pour montrer que le président fait un bail qui passe ça.
Mais voilà que y aurait fort l'autre encore. Et président Sénat, Chuck Schumer, lui-même dit que non, bah, elle n'a pas bon ça et que le peuple américain a besoin de travailler pour améliorer les conditions de la vie, au lieu que pour faire ça, la chasse aux sorcières. Donc, même président minorité, en fait, leader minorité dans le Sénat, je m'en connais, même si je dis, il est déjà dans le même minorité. Donc, il n'y a pas quoi qu'actuellement, on enquête pour mettre le président en accusation, d'avoir des conséquences, ça résulte de déboucher sur la possibilité plus tard de situer. Il va me croire qu'il est possible, il va me croire que c'est un bâtiment nécessaire, parce qu'il y a tellement de choses pour résoudre, et puis qu'on y a là, et le peuple là, qu'on y a, il faut que c'est surtout sur les prochaines élections qu'il y a organisé. Robert Philippe, et même là, demain, on a parlé, tout le monde qui était branché, je suis content, merci un peu pour tout le support, tout le bagage, nous remercions. Et bien, à croiser encore, demain, on va bien les voir. Bye bye tout le monde, bonne journée.